Anici! Merci, merci. Ça va grandir quand c'est devenu un peu grand, ça va commencer à enlever les fleurs. Et les feuilles, c'est utilisé comme sauce. Quand on enlève les feuilles, c'est enlevé beaucoup, préparé dans la marmite. Et puis ça devient de la sauce. Ça, c'est pour la sauce. Et après, c'est gardé le césar et le bisap, ça reste toujours. Ici, on avait fait un champ de sésame. Le sésame, c'est arrivé, on enlève le sésame. Après ça reste le bisap. Maintenant, avec le froid, va devenir
marché, les graines de pita va devenir bien, bien mieux. Et c'est en ce moment maintenant qu'il faut commencer à enlever. Alors, c'est comme ça en fait, avec la poussière. Comme ça, on prend et puis on met en tas. C'est comme ça. On répare encore. Et commencer. Travailler. Comme ça, il rentre une petite bout de temps. On commence le matin jusqu'à midi avant de se reposer. Quand on enlève comme ça, on prend, on dépose. Alors, maintenant quand c'est déposé comme ça, on laisse un peu au soleil. Quand le soleil va taper ça, les graines vont devenir un peu plus mou à enlever. D'ici quelques minutes, les graines vont devenir un peu mou quoi. C'est à ce moment on prend. Attends. Oui. Non. Vai. Oui, le grain va devenir un peu mou. Facile à enlever en ce moment. Parce que quand tu viens d'enlever, et ce qui n'est pas posé au soleil, il y a une différence. Ici, c'est un peu mou. Et ici, c'est un peu sec. Alors, il faut laisser un peu au soleil. Ça va devenir un peu mou comme ça. Et c'est à ce moment qu'on commence à enlever. Enlever le bissap. Mais ça là, ça n'a pas duré au soleil. Donc quand tu veux enlever, ça va se cacher. C'est mieux de laisser un peu, faire 3 ou 4 heures de temps sous le soleil. Et après maintenant, c'est enlevé facilement. Ça ne va pas se casser en ce moment. Donc c'est comme ça, on enlève. On prend lentement. Et c'est enlevé comme ça. Ça devrait sortir comme ça, la fleur, tu vois. Mais quand c'est pas un peu, quand c'est tout, tu viens d'enlever ça, c'est difficile à enlever. Il fallait que le soleil tape ça un peu. Là, ça va s'attraper. Et quand tu prends comme ça, c'est facile. Encore plus facile. Tu vas enlever et ça va s'enlever comme ça, bien collé, tu vois. Ça. Et puis il n'y a pas de problème. Et maintenant, après avoir enlevé, on prend les graines, on les associe en tas pour laisser. Quand le soleil va taper fort, ça va se chercher et ça va s'ouvrir. Quand ça va s'ouvrir maintenant, on prend les graines. Il suffit de prendre ça, faire comme ça, va faire sortir toutes les graines. Et quand les graines vont sortir, c'est ventilé au vent avec une calebasse. C'est prendre les graines, mettre ensemble maintenant. Amener à la maison. Alors, de la maison, si tu veux, on enlève les semences pour l'année prochaine. Tu enlèves les graines, tu déposes pour l'année prochaine. Et les restes des graines, c'est utilisé pour faire la sauce. Compris? Thank you.
près du centre des gens qui vont couper beaucoup le bissap, venir mettre en tas. Et c'est appeler toutes les femmes du village qui vont venir travailler avec toi durant toute la journée. Ils sont là, tu vas préparer à manger, donner à prendre le café. Ceux qui veulent le tabac, tu dois payer le tabac. Pour ceux qui veulent boire le dolo, tu dois payer le dolo. Et trouver le taux aussi pour les enfants qui travaillent beaucoup avec nous. Alors c'est ainsi que ça se fait au village. Et à 17h maintenant, c'est ramasser tout ce qu'ils ont enlevé, mettre ensemble et déposer au soleil comme ça. Alors, tu peux déposer ça au soleil pendant plus d'une semaine avant de revenir, remuer ça un peu pour que ceux qui étaient en bas remontent en haut. Et ceux qui étaient en haut un peu cherchent, ça, ça va en bas. Ainsi de suite, c'est pas le chassage aussi de le bisap. Jusqu'à ce que ça va devenir bien sèche. Et prendre maintenant et puis mettre dans les sacs. Merci. Tu vois, tous les enfants connaissent comment faire enlever. Ils ont le courage de faire le travail. Même s'ils sont petits, ils apprennent aussi à faire le travail. Ouais. C'est très joli, hein. Tu vois comment elle est en train de faire. Alors, dans la journée, il peut travailler comme ça jusqu'au soir. Ça, c'est un travail qui n'est pas trop compliqué. Oh, my God.